Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Alma, c'est un acteur qui est reconnu dans le domaine de la découpe? C'est des choix techniques qui ont été faits dès le départ, dès les prémices de développement du logiciel. Le premier qu'on peut citer, c'est l'automatisation d'un maximum de tâches, que ce soit de l'import de la pièce jusqu'à la programmation finale. Il y a énormément d'algorithmes qui essayent d'automatiser le process de manière à retirer cette charge de l'utilisateur. Notre logiciel est un logiciel de programmation hors ligne, c'est-à-dire pas de temps mort au niveau de la machine. On programme, mais la machine travaille en parallèle. Un autre argument qu'on peut mettre en avant, c'est le fait d'avoir su repérer des innovations de rupture et de les avoir réalisées techniquement. Je peux citer par exemple la mise en place de connexions entre tubes qui se fait de manière extrêmement facile, le déplié aussi de pièces qui ont été cintrées, donc on est capable d'ajuster nos CAO pour les rendre compatibles avec des machines de découpe, et ça toujours d'une manière extrêmement automatisée et extrêmement facile pour l'utilisateur. Également, la possibilité du logiciel de s'adapter à différents types de marchés. Si je prends par exemple le marché américain, on va avoir besoin d'une production extrêmement automatisée puisqu'on va être sur des très très grands nombres en termes de quantité de pièces à produire, mais très simple. Donc il faut que la programmation aille très vite. Le marché européen, ça va être tout l'opposé. On va être sur de la pièce de prototypage, mais extrêmement complexe. Donc il faut qu'on ait un logiciel qui soit capable à la fois de répondre à un besoin de production de pièces simples, rapides, mais également de pièces compliquées, et parfois en très petite quantité. Un autre argument aussi qui fait qu'Alma est incontournable dans le domaine, c'est notre capacité à pouvoir piloter tout type de machine sans aucune contrainte au niveau logiciel. Le logiciel va être capable de piloter la machine telle qu'elle est utilisée dans la réalité, c'est-à-dire on peut avoir 2 mandrins, 3 mandrins, 4 mandrins, une infinité d'axes à piloter, le logiciel sera les gérer. Notre logiciel est capable de simuler les mouvements exacts de la machine pour garantir la sécurité du programme et qui consiste en plusieurs points, pas de problème d'accessibilité, pas de problème de collision, donc vraiment une sécurité pour l'opérateur de savoir que la pièce qu'il va envoyer sur sa machine ne pourra pas causer de problème technique au niveau de la découpe.